Un héros est presque toujours voué à devenir iconique, que ce soit par son statut ou la manière avec laquelle un réalisateur le voit au travers de son art et d'une œuvre. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui cherche avant tout à ancrer ses héros dans notre monde avant de les iconiser. Paul Greengrass est un réalisateur d'origine anglaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis près de 27 ans. Il s'est surtout imposé grâce à son style visuel, mais également grâce à la puissance de ses récits, presque toujours ancrés dans un réalisme brutal et violent, mais surtout cherchant à retracer l'histoire de l'Amérique pour faire un bilan sur sa place en tant que nation, en tant que société, et en tant qu'idéologie surtout, et l'impact de celle-ci sur les consciences citoyennes de ce monde. La patte Greengrass, c'est un regard violent sur la réalité, un constat brut sur la déchéance humaine, au cœur de laquelle il va implanter ses héros. Ceux-ci sont toujours issus d'une maladresse du gouvernement ou d'une manipulation des chefs de la nation, jouant avec ses hommes et abusant de leurs croyances. Ainsi se mettent en place les éléments politiques et cinématographiques de l'auteur, pour ensuite évoluer au cœur d'un univers réaliste rassemblant nos plus grandes peurs et nos plus grandes croyances, pour ensuite les amener à être repensés et redimensionnés. Greengrass ne cherche pas à être une forme de contestataire, il veut avant tout poser un regard sur le monde pour faire réfléchir l'humanité sur la conséquence de ses actions et surtout sur ses actes les plus inexplicables pour en faire ressortir les véritables héros, ceux qui se cachent dans l'ombre et qui parfois peuvent changer le cours des choses. Au fil de nombreux longs métrages, allant de la fresque d'espionnage au film de guerre moderne en passant par le film de siège, Greengrass pousse ses idéologies dans leur retranchement cinématographique. Plus son cinéma se développe, plus il cherche à questionner des pans de notre histoire par le biais d'aventures sortant de l'ordinaire. S'il s'est aussi rapidement imposé auprès du grand public, c'est parce que son style va également dans sa direction, sa manière de concevoir le mouvement de la caméra, comme un élan et une continuité de son réalisme dramatique, permettant à ses longs métrages de gagner en impact et en force. Plus il avance dans le temps, plus son cinéma se rapproche de ses premières heures, celle où il a choisi de documenter la dure réalité de notre monde, choisissant d'en faire de même pour les aventures que vivent ses héros, posant ainsi une base esthétique en parfaite adéquation avec son réalisme dramatique. En peu de mouvements et de créations esthétiques, Greengrass replace facilement ses films et leur permet de devenir des représentations de ce que sont les héros modernes. Ils ne sont pas surhumains ou encore moins héroïques, ils cherchent simplement à se battre pour ce qu'ils pensent être juste. En cela, Greengrass s'impose comme un auteur moderne cherchant à reconcevoir la base d'un film d'action tel que l'on a pu l'imaginer. C'est grâce à lui que dans le cinéma moderne, on peut concevoir un film de super-héros sans avoir besoin de mettre en scène des hommes ou des femmes capables de choses extraordinaires. C'est grâce à lui que, aujourd'hui finalement, on n'a plus besoin de voir ces super-héros sauver le monde, nous avons simplement besoin de voir ces héros changer le cours de l'histoire afin de nous faire prendre conscience de l'impact de nos actions sur le monde en tant qu'être humain. Plonger dans le cinéma de Paul Greengrass, c'est chercher à porter un constat sur le statut d'un héros et de lui faire revêtir non pas la forme d'un surhomme, mais simplement celle d'un homme du quotidien. En cela, Greengrass ancre son cinéma dans une veine réaliste moderne, cherchant à faire ressortir l'impact de l'homme sur son temps et sa possibilité de modifier son cours.